uliyoniisa. Le malade, le bon. Mais quand on a malade, il y a ton idée. Seigneur. Colo. Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. La zone à moto, il y a pour moi quand on a fait un cibaté dans le point des hommes. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Mais la temporaire, il y a des villes qui étaient montées aussi sur un beaucoup d'années, il vaut sur la mer. Lève-toi, lui dit Jésus. Bien sûr, il s'y est tellement. Prends ton lit. Zoomé de l'aïeul. Et marche. Et t'envole. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'est un jour de sabbat. Les sabbat. Les juifs virent donc à celui qui avait été guéri. Le sabbat, il n'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit. Il y a dans les bambous. Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Et lui demandait, qui est cet homme qui t'a guéri? Mais maman a tout dit, il y a mon mot de lit qui doit ici. Qui t'a dit, prends ton lit et marche. Oui, et puis le sommet de l'homme est appelé. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ses lieux. Parce que quand on a dit que ça va quitter, elle n'est pas quittée, elle n'est pas Jésus, après qu'elle n'est tout le monde va trouver à l'époque. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, Jésus a dit beaucoup de la tête de l'homme ici. Voici, tu as été guéri. T'as la psychologie qui s'habille. Ne pêche plus. Aussi, mon cas de et peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. La compa a été dit, l'homme qui a fait le temps de l'homme. Que notre Dieu bénisse ta parole. Seigneur, Dieu, merci pour nous avoir permis de commencer cette action évangélique avec toi aujourd'hui. Nous nous abandonnons entre tes mains afin que tout ce que nous voulons faire, nous puissions le faire avec toi. Nous condamnons tout ce qui n'est pas de toi, nous le lions et nous le précipitons dans les lieux avides au nom de Jésus. Du début jusqu'à la fin de ce service, nous voulons contempler la gloire de Jésus-Christ de ressuscité. Nous l'avons demandé avec foi au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que bon exemple. Avant de commencer, je voudrais attirer votre attention sur une chose. Il y a eu la pluie. Mais la pluie ne vous a pas empêché. Parce que vous avez visibilité. Il y a eu d'autres empêchements. Les amis de la répétition vos soucis. Sont pas détenus à la maison. Parce qu'il y a beaucoup Dieu a permis que toi tu sois là aujourd'hui. Et que tu commences cette action évangélique avec nous. Je voudrais attirer ton attention sur le fait que ce n'est pas un hasard. Je voudrais rassurer à chacun de vous que Dieu a prévu quelque chose pour chacun de vous individuellement. Je ne souhaite pas que vous puissiez participer à cette action d'une manière habituelle, coutumière. Mais que chacun vienne avec l'attente de pouvoir expérimenter quelque chose dans cette action. Et je suis convaincu que votre soif sera épanchée. Je suis convaincu que le Dieu du ciel va rencontrer vos préoccupations. Si vous croyez à cela, saluons la présence de notre Dieu. Le Dieu a sauvé. Non, 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 non.
C'est Jésus-Christ qui te faut. C'est Jésus-Christ qui te faut.